millésime 2022, il a l'air plus cher pour une très bonne raison, c'est que cette année, les prix sont indiqués avec la TVA. Et c'est vrai que par ailleurs, il y a des augmentations de prix, mais il y a tout de même de belles affaires à réaliser sans se ruiner. D'abord Château Bataillé et ensuite il y a Tronquoy-la-Lande. J'ai adoré la densité. Mention spéciale en Haut-Médoc pour la Tour Carnet. C'est un grand vignoble et c'est aussi une grande équipe qui est aux manœuvres de la conduite du vignoble et des vinifications. N'oublions pas le cru bourgeois exceptionnel Lilian Ladouis. 52% de Merlot, on sait que cette année dans le Médoc, les Merlots sont sublimes. Et il y a là une très belle bouteille avec un très bon rapport qualité-prix. Dans un autre style, intense, Omar Buzet nous a séduit, c'est un coup de cœur de la rédaction. À Margaux, comment résister au profil sanguin, floral de Prieuré Lichine, une très belle construction. Deux recommandations sur le vignoble de Pessac-Léognan. D'abord avec le château L'Arrivée au Brion, où il y a une équipe qui ne lâche rien, qui progresse d'année en année. Et où particulièrement cette année, le rapport qualité-prix en fait un incontournable. Pour les amateurs de classicisme, misez sur Château Olivier, en blanc comme en rouge. Il saura vous faire plaisir en livrable et bien sûr très 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 longtemps. D'abord avec le Château Mazères à Pomerol, c'est un vin signature. L'équipe a assemblé les meilleures parcelles, meilleurs terroirs, pour donner vraiment l'identité Pomerol, donc il y a ce côté floral élancé. À Saint-Émilion et en bio, on peut faire aussi de belles affaires. Un château qui revient souvent dans nos sélections, c'est Grand Corbin d'Espagne, de nouveau cette année. Et puis en bio également, se distingue Château Jean Fort avec un prix raisonnable, un vin élancé, dynamique. Vous vous souvenez du millésime si rare, si compliqué l'année dernière à Sauternes? La bonne nouvelle, c'est que Sauternes a retrouvé un peu de rendement et un élan magnifique sur 2022. Trois châteaux pour nous sont incontournables. Suidiro, bien sûr, Château Couté et Laforie Peyraguey. Il y a trois réussites et trois jolis rapports qualité-prix.